Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la personnalisation de cette pince. On a ici une jolie pince pailletée en plastique rose et pailletée argentée. Allez, c'est parti pour la personnalisation. Donc j'ai écrit le prénom, toujours en mode beauty. J'ai bien pris les mesures au préalable sur ma pince. Ensuite, je clique sur « Envoyer ». Je ne mets pas le prénom en mode miroir car ce sera du vinyle brillant à froid qu'on sélectionnera. Voilà. Au niveau des mesures, on prendra profondeur de lame. On sélectionnera 10. La force 22. Le nombre de passages 1. Et la vitesse 5. Allez, c'est parti, la machine commence à découper sur mon vinyle blanc. Donc, comme j'ai expliqué, sur le vinyle, on ne fait pas de découpe en mode miroir comme avec le thermocollant. Voilà, maintenant, on retire le surplus. Voilà, on a le prénom. La taille me semble correcte. Et pour faire le transfert, j'utilise du plastique adhésif transparent pour faire adhérer le prénom au plastique. Voilà le résultat. Et une fois que le prénom a bien adhéré au plastique, cette fois-ci, je vais le faire adhérer à ma pince. On va retirer maintenant le plastique. Et comme vous voyez, le prénom a bien adhéré à la pince. Et voilà le résultat, notre petite pince personnalisée. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et à vous abonner à ma page. Merci.